Bonsoir le brise-glace, est-ce que ça va? Vous êtes sûr, non? Est-ce que ça va vraiment? Ok, ça va à droite? Le milieu? Près du bar, ça va un peu mieux d'habitude, hein? Voilà, t'as vu, je suis sûr. Bonsoir à tous, on s'appelle Pitbull, on débarque ici et ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir à tous de jouer ce soir au brise-glace pour la première fois. On arrive de Chambéry, c'est pas vraiment loin, après peu importe où on vient, vous allez voir. D'habitude, quand on vient un petit peu ailleurs qu'à Chambéry, on prend notre petite Twingo, on met notre caravane derrière et puis on s'en va, on part sur la route ensemble. Toujours histoire de voyage, parce qu'on voyage tous dans la vie. On va de partout, on grandit, on vieillit. Et nous, d'habitude, on aime bien se balader un petit peu dans les ruelles, mais là, aujourd'hui, on est resté dans le brise-glace. On s'est baladé dans ce brise-glace comme ça. On se dit, waouh, t'as vu là, t'as... Et on s'est perdu dans le brise-glace, je vous jure, c'est vrai. Non, c'est pas des conneries.
Cette histoire, c'est pas vraiment de se perdre dans le bruit de glace, c'est se perdre dans les rues, dans les pavés. Et un petit peu, comme ça au hasard, aller où on a envie. Vous venez avec nous, on vous emmène, on va se balader dans une ruelle, au fin fond des pavés, une boutique, une vitrine. Dedans, vieille odeur de poussière, vous allez voir, de carton usé, on y va ensemble. Vous voulez venir? Oula, ah non, bah alors non, on va faire... Vous voulez venir? Des dalles, que je l'ai trouvé après être passé 45 fois devant sans m'arrêter. J'avais l'impression bizarre d'avoir tourné en rond sans pouvoir m'extirper, suivant le fil du sillon. D'ailleurs, si on pouvait ralentir l'allure, si on pitchait nos rues, on en profiterait plus, c'est sûr. Bref, cette boutique était belle et bien devant moi. J'ai eu qu'à pousser la porte et à franchir le pas. Dedans, ambiance sombre, lumière tamisée, une odeur de poussière, de carton usé. Tout autour de moi, des vinyles par milliers, du sol au plafond, par colonne, par rangée. Tout est classé par ordre alphabétique, par année et par style de musique. Du Miles, du Ella, du Charlie Parker, que toi la Zulu Nation et bien d'autres beatmakers. Mon attention s'arrêta juste devant une galette toute seule, presque sortie du rang, la pochette grise avec cette inscription: A magical GCB, a magical sensation. Attiré sans comprendre, je la prends dans la main, je la sors du carton et la contemple enfin. Je m'approche de la platine, doucement, silence, le craquement du diamant. Un sens jazz, du son doux et écoulé, une certaine couleur, nostalgie qui renaît. Un sens jazz, rababtitutuiratou. Un sens hip-hop, un sens hip-hop. Sur le sillon d'un vinyle, l'incense jazz, du son doux écoulé, une certaine couleur nostalgique qui renaît. Un sens hip hop, un beat lourd et entraînant. On lâche le flow, on hache les mots, on frappe le temps. Pourquoi ce support dépassé? Un grain, un son inégalé, s'il te plaît, petit mec, brûle ton MP3, attrape la tête de lecture. On commence 100 fois, le diamant se pose, et voilà le son qui obstinément suit le fil du sillon dans un sens, tout dans l'autre, dans la même version. Sur ce vinyle, demande en interaction dans mes oreilles. Un son jazzy se déverse, mais si j'appuie sur reverse, alors tout s'inverse. Bonsoir, vous allez toujours bien? N'hésitez pas à le dire hein, si ça va. La question,
que je vais vous poser, vous allez devoir y répondre un oui très fort. Je suis désolé, hein, je suis obligé de vous obliger de le faire parce que les mecs qui étaient juste là avant nous, tous les musiciens, ainsi que le mec qui était au micro, je crois qu'on peut leur... Ouais, ça met un peu la pression parce que vu le niveau qu'il y a juste avant, je crois qu'on peut leur faire un maximum de bruit. Ceux qui étaient là juste avant sur nous, non, pas sur la... sur nous ou sur... Bon, on va pas vous dévoiler tous les trucs, tu vois. Mais sur la scène, avant nous, un maximum de bruit pour SK, s'il vous plaît, et tous les musiciens qu'il y avait avant. Du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Alors, comme on vous disait, on vient de Chambéry, mais c'est pas grave. Peu importe d'où on vient, peu importe où on va, on fait que voyager de partout. En général, il y a des gens qui ont tendance à dire, vous savez... en Savoie, loin, dans les vallées, dans les villages. Ici, c'est chez moi. Et c'est pas chez vous. Vous avez déjà entendu ça? L'idée, c'est que les jolis endroits, il faut les partager. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on espère faire. On vient tous de partout, et au même endroit on va, on profite des lieux, et on fait découvrir ceux qu'on connaît. Alors, suivez-nous, on y va ensemble ce soir. Et c'est parti. Sans larmes, sans... La réaction est celle qui privilégie l'argent, la supériorité et la haine. Historiquement, le constat est le même, la possession est la première bêtise humaine. C'est être pour avoir, posséder sans concéder, acquérir et ne devoir en aucun cas partager. À l'homme l'allégresse de voir son propre empire s'étendre, à l'homme toutes les richesses pour les voir réduire ensemble. C'est mépriser ceux qui n'ont pas se sentir supérieurs. Arrogance, avarice, nous sommes bien antérieurs si l'on remonte. Des années auparavant, on se rend compte qu'on a dérapé au moment où sédentarisé. L'homme accapare les espaces, sédentarisé. Il se bat pour garder sa place, sédentarisé. Il prend plus que le nécessaire pour satisfaire ses besoins vitaux et saccager sa terre. Toujours, toujours, amasser le pouvoir, que ce soit sous forme de terre, de pétrole, de dollars. Jamais au grand, jamais ne laisser entrevoir un sentiment humain laissant une lueur d'espoir. C'est yeah. Systématiquement, la réaction est celle qui privilégie l'argent, la supériorité et la haine. Historiquement, le constat est le même, la possession est la première bêtise humaine. C'est être pour avoir, posséder sans concéder, acquérir et ne devoir en aucun cas partager. À l'homme l'allégresse de voir son propre empire s'étendre, à l'homme toutes les richesses pour les voir réduire ensemble. C'est mépriser ceux qui n'ont pas se sentir supérieurs. Arrogance, avarice, nous sommes bien antérieurs si l'on remonte. Des années auparavant, on se rend compte qu'on a dérapé au moment où sédentarisé, l'homme accapare les espaces. Sédentarisé, il se bat pour garder sa place. Sédentarisé, il prend plus que le nécessaire pour satisfaire ses besoins vitaux et saccager sa terre. Toujours, toujours, amasser le pouvoir, que ce soit sous forme de terre, de pétrole, de dollars. Jamais au grand, jamais ne laisser entrevoir un sentiment humain laissant une lueur d'espoir. C'est yeah, yeah. La supériorité est une drogue pour l'encéphale. L'homme est un animal, et quand j'y pense, nous ne sommes pas malades. Nous sommes la démence, possession matérielle ou possession mentale. La supériorité est une drogue pour l'encéphale. L'homme est un animal, et quand j'y pense, nous ne sommes pas malades. Nous sommes la démence, possession matérielle ou possession mentale. La supériorité est une drogue pour l'encéphale. L'homme est un animal, et quand j'y pense, nous ne sommes pas malades. Nous sommes la démence, possession matérielle ou possession mentale. La supériorité est une drogue pour l'encéphale. L'homme est un animal, et quand j'y pense, nous ne sommes pas malades. Nous sommes la démence, nous disons non, non. Contre toute forme de possession, nous disons non, non. Contre toute domination, nous rejetons non. Toute forme de supériorité, nous disons non, non. Et nous gardons le point levé, nous disons non, non. Contre toute forme de possession, nous disons non, non. Contre toute domination, nous rejetons non. Toute forme de supériorité, nous disons non, non.